Couleur du team Specialized Racing, c'est le champion olympique qui va monter ici. Je vous demande d'applaudir Yaroslav Kulavi. Third place for this race. Yaroslav Kulavi, Specialized Team. Champion, ah, on peut l'applaudir plus fort, s'il vous plaît. Un grand, grand monsieur du VTT, vainqueur de la Coupe du Monde également en 2011. Champion olympique l'année dernière à Londres. Et pour remettre les trois médailles, on a toujours avec nous monsieur Stéphane Ouellette, le créateur du Roc d'Azur. Pour la deuxième position, il était champion d'Europe l'année dernière. Il a remporté déjà le Roc d'Azur en 2011, troisième en 2012, deuxième en 2013 pour le BMC Mountain Bike Racing Team, Moritz Milatz. Le champion d'Allemagne, Moritz Milatz. Et pour la victoire dans ce 30e Roc d'Azur, il s'était déjà imposé en 1997. Il avait réédité la performance en 2004. Il a tout remporté dans le monde du VTT, les championnats du monde, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Il a réalisé son rêve d'enfant en participant aussi au Tour de France sur route comme son père. Pour le FRM Factory Racing Team, Miguel Martinez. Vainqueur de ce 30e Roc d'Azur. Médaille remise par Stéphane Ouellet. Voilà, et après. Voilà, un podium vraiment de très très haute tenue, une fois de plus, sur le Roc d'Azur. Les applaudissements à nouveau. Allez, on accueille de nouveau M. Francis Tosi, adjoint au maire de la ville de Fleury.